Bon. Donc aujourd'hui, on aborde la deuxième partie de cette histoire de l'aviation, de l'aéronautique donc à Toulouse. Et on va traiter de la période qui va de 1978, donc vous vous rappelez peut-être de la fameuse grosse commande de American Airlines, enfin Eastern Airlines plus exactement à cette époque-là, auprès d'Airbus et qui a lancé l'A300. Qui finalement s'est vendu un peu plus de 500 exemplaires. Mais ensuite, il y a quand même pour Airbus, ce n'est pas complètement gagné, parce qu'un peu plus de 500 exemplaires, c'est quand même pas formidable par rapport aux ventes de certains avions américains, en particulier les avions Boeing. Donc cette période de 1978 à 2020, elle est encore plus décisive par... Elle est portée déjà, c'est pour ça que je vous ai mis ça dès la première slide, par la hausse du trafic aérien, en tout cas jusqu'à cette année, puisqu'on envisageait les 5 milliards de passagers en 2020, donc avec une hausse qui, vous le voyez, s'accélère même, qui devient quasiment exponentielle, et aussi la chute du nombre d'accidents, c'est-à-dire l'avion est consacré comme le moyen de transport longue distance le plus sûr, hein. Et c'est donc des perspectives formidables. D'ailleurs, l'année 2019, c'est l'année de tous les records, et on s'attend donc à une prolongation de cette croissance. Les commandes d'avions deviennent considérables, les livraisons se rapprochent des 900 pour Airbus par an, donc alors qu'on était à des niveaux très bas, vous voyez encore, ne serait-ce que dans au début des années 2000 ou même en 2009, des niveaux modestes, on va dire, pas très bons, mais modestes. Donc c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors je n'ai pas fait un plan chronologique parce que la période est quand même relativement courte. Et si on fait une chronologie, j'ai pensé que ça allait être un petit peu quand même fastidieux. Et donc j'ai préféré faire un plan plus thématique où on va parler des différentes batailles que se livrent Airbus et Boeing. Et en particulier la bataille des longs courriers. Puis la grande bataille décisive des moyens courriers, parce que c'est quand même là que se situe l'essentiel du chiffre d'affaires. Et enfin, on terminera sur un troisième thème, en l'ouvrant sur des questions très actuelles, celui du pôle toulousain, qui est devenu un pôle non plus national européen, mais maintenant mondial. Donc, premier temps de cette aventure. Graphie indicative, mais vous la connaissez déjà, donc je passe assez vite, hein. Je l'avais déjà présenté, mais pour ceux qui n'étaient pas là à la première séance de l'histoire de l'aviation à Toulouse, on peut rappeler qu'il y a un chapitre de synthèse, par exemple, à la fin, une synthèse assez longue, hein, de plus de 30 pages, à la fin de l'histoire de Toulouse et de la métropole, qui vient de sortir chez Privas, sur 100 ans d'aéronautique à Toulouse, donc ça permet de faire le point. Il y a des ouvrages... alors c'est coordonné par Rémi Pech et moi-même, mais le chapitre sur les 100 ans d'aéronautique... À Toulouse, ce chapitre-là est rédigé donc par Jean-Marc Zuliani, géographe, spécialiste de l'aéronautique et de la relation entre l'aéronautique et la ville, et moi-même pour la partie plus ancienne de ces 100 ans d'aéronautique à Toulouse. Donc, si vous voulez revenir sur ce sujet en lisant tranquillement chez vous, même si c'est déconfinement, vous pouvez toujours lire quand même. Vous pouvez vous appuyer sur ce chapitre qui est assez actualisé. Après, il y a des livres qui sont plus anciens, mais qui sont essentiels, incontournables pour la bibliographie. Je m'adresse surtout aux étudiants de master là. Voire de doctorat, comme Toulouse, l'avion et la ville, avec Guy Jalabert et Jean-Marc Zuliani, et puis des ouvrages d'économistes, de sciences de gestion, l'aéronautique mondiale, une réflexion par nos deux collègues, Maître Keshidi et Marie-Danielle Seffert, qui interviennent aussi dans ces cours en ligne. Il y a des numéros spéciaux de revues que l'on trouve à Toulouse, comme Toulouse Mémoire d'avion, dans la revue Le Patrimoine. Il y a l'ouvrage des 100 ans de l'ATECOR également. Et puis, il y a une nouvelle histoire de l'armée de l'air, rédigée à plusieurs, hein, entre autres actualisée par Gaëtan Siaco, avec un chapitre qui traite des 10 dernières années. Donc, une nouvelle histoire de l'armée de l'air qui doit normalement sortir chez Privat, toujours en juin. On peut annoncer l'année prochaine aussi, il y aura chez Dunod Armand Collin une grosse histoire de l'aéronautique européenne de Blériot et Airbus, qui reprendra ces thèmes et qui sera quelque chose d'assez approfondi. Mais je vous tiendrai au courant de sa sortie. Alors, nous continuons ce premier temps donc que j'ai évoqué rapidement, qui est celui des diverses tentatives airbusiennes, puisque c'est le nom que l'on utilise à Toulouse, hein, les Airbusiens, et on a même créé un adjectif, donc airbusienne, dans le domaine des longs courriers. Rappelez-vous,
Le long courrier dominé par les Américains avait été attaqué par le projet Concorde, mais qui s'est soldé par un échec commercial complet, puisque le succès technique est là, mais les ventes ne sont pas là. Il n'y a que 14 Concorde vendus, hein, donc, et achetés en fait de manière un petit peu forcée, entre guillemets, par British Airways et donc Air France, hein, les deux compagnies nationales des deux pays qui ont participé au projet Concorde. Donc, après cet échec, il n'y a plus vraiment d'avion européen long courrier digne de ce nom. Et donc, Airbus décide de se lancer dans une série de, enfin, dans un premier projet de long courrier, le A310, qui dérive directement de la 300, c'est un A300 hein, un peu plus petit. Mais il y aura d'autres projets assez importants, et entre autres, l'A330 couplé avec le 340. Et avec un succès mitigé, on y reviendra, et puis le 380, vous connaissez bien, le 350 également. Sur ces cinq projets, en fait, il n'y a pas beaucoup de succès magnifiques, hein. Il y a deux grands succès, les autres sont plutôt quand même des échecs, hein, comme on va le voir de manière plus détaillée. Alors revenons sur le succès limité de l'A310, dérivé de l'A300. Hein. Donc, toujours ce concept de communalité, avoir un maximum de choses en commun pour des économies de coûts, pour permettre aussi aux pilotes de passer d'un avion à l'autre très facilement au niveau de la formation, donc ce qui coûte cher. Hein. Pour la maintenance aussi, ce sont des économies quand on a des éléments communs, en particulier au niveau du fuselage, etc. Et ce programme lancé donc en 1978, hein, donc c'est le prolongement de l'A300. Je vous rappelle que l'A300, si vous vous rappelez de la précédente présentation, l'A300 a fait son premier vol en 1972. Il entre en service en 1974, ce court moyen courrier A300, et donc avant l'entrée en service du Concorde. Hein, et il est vendu un peu plus de 500 exemplaires, donc c'était un beau succès. Donc en s'appuyant sur le succès de l'A300, on espère également un succès du 310, mais le premier vol intervient assez vite en 1982. La mise en service grâce à la communalité est également très rapide, 1983. Mais seulement 255 exemplaires produits entre 82 et 98. Concurrent direct, hein, il y en a d'autres, mais le plus direct, c'est le Boeing 767, est vendu, lui, à 1270 exemplaires. Hein, donc, on est à 5 fois plus, pratiquement. Le monopole américain sur les longs courriers est donc très faiblement entamé. Heureusement, sur les longs courriers, je veux dire, hein, le monopole américain sur les longs courriers est très faiblement entamé. Heureusement, dans le domaine des moyens courriers, on y reviendra dans la deuxième partie, mais je le dis dès maintenant, la 301, le nouveau court moyen courrier d'Airbus, permet d'assurer les arrières du groupe, hein, et de financer les autres projets, puisqu'il effectue son premier vol, lui, en 1987. Donc, il vient en quelque sorte au secours de l'échec commercial relatif, hein, mais échec quand même du 310, parce que la barre pour un nouvel avion, long courrier, etc., c'est plutôt 500 exemplaires vendus pour commencer à véritablement gagner de l'argent. Donc, grâce à la 320, le groupe se maintient, mais l'Allemagne, elle, souhaite un long courrier, malgré l'échec de la 310, elle souhaite même un long courrier quadri-réacteur, hein, donc le plus prestigieux des longs courriers. C'est à partir de là que le groupe est essentiellement sur le site de Toulouse, hein, où la recherche, les études sont de plus en plus centralisées. Et le groupe Airbus met au point un couple d'avions, toujours la communalité. Un A330 biréacteur, parce que la France pense qu'il faut quand même un biréacteur, et un A340 quadriréacteur qui répond à la demande allemande. Un pari donc à moitié réussi, parce que le 340, comme on l'appelle, hein, quadriréacteur, effectue bien son premier vol en 1991, mais il n'est commandé qu'à 377 exemplaires. On est toujours en dessous de cette barre des 500 exemplaires, là. Et on crée une nouvelle usine en plus, hein, la fameuse usine Clément Ader, qui est facile à repérer à Colomiers avec sa charpente extérieure, charpente métallique bleue extérieure. Hein, vous avez le cliché là en dessous. Et cette production, elle est arrêtée en 2011. Donc, quelque part, quand même, c'est un échec. Heureusement, on a sur le même type de fuselage, pratiquement avec le même type d'aile, développé un biréacteur beaucoup plus économe en carburant et en maintenance.
donc conçu sur la même base commune, c'est le 330. Et cet appareil, lui, plaît davantage aux compagnies et il est commandé à plus de 1800 exemplaires. Donc là, le 330, c'est vraiment un succès et un succès qui permet aujourd'hui de lancer dans la deuxième moitié des années 2010 sa nouvelle version qui est remotorisée, hein, New Engine Option. Donc c'est la 330 Neo, qui est toujours produit, bien sûr, et même commandé abondamment. Donc là, demi-succès ou demi-échec, ça dépend de comment vous voulez voir les choses. Alors ensuite, on voit plus grand encore, malgré l'échec du 340, il y a un projet assez tôt hein, d'un avion géant, parce qu'il y a cette courbe fantastique que vous voyez là sur la droite de la hausse du million en millions de passagers. On arrive dans les années 2010, ça a des chiffres considérables, une hausse qui s'accélère. Hein, on passe le cap donc du 1,5 milliard de passagers et on fonce vers les 5 milliards, visiblement. Et on pense que la solution la plus rentable, bah, c'est un très gros porteur, hein, celui qui devrait normalement concurrencer, voire éliminer le 747, qui est quand même un petit peu vieillissant. Et l'essor du transport aérien doit servir en quelque sorte de belle perspective. Alors, le concept commercial, il est assez simple. Il s'agit de relier des aéroports internationaux géants, ce qu'on appelle les hubs. Et pour cela, ces aéroports sont d'accord pour s'équiper en tant que plateforme de correspondance, c'est-à-dire qu'ils doivent s'équiper de passerelles spécifiques, puisque le 380 est un avion deux ponts. Donc ça implique quand même des choses bien particulières. Et cet avion peut transporter théoriquement, hein, en classe unique, 800 passagers. Voilà. Bon. Souvent, il propose, en particulier son principal utilisateur, la compagnie Emirates, propose plutôt des aménagements luxueux, dont vous avez quelques exemples dans les deux images du bas et en image plutôt vers la gauche. Là, c'est la configuration. Donc tout ceci semble assez logique, sauf que les choses se passent pas du tout comme prévu, et donc on a la mauvaise surprise après avoir construit une usine géante pour un avion prestigieux. On a quelques mauvaises surprises déjà en production, puisque vous savez que Airbus est un mécano industriel. Certains éléments même du fuselage sont produits donc en Allemagne, entre autres à Hambourg, les ailes en Angleterre, etc., etc. C'est assemblé, l'assemblage se fait à Toulouse, mais on a une très mauvaise surprise au niveau du câblage, puisqu'on n'utilise pas le même logiciel, le fameux logiciel CATIA, on n'utilise pas la même version du logiciel CATIA à Hambourg, en Allemagne, et à Toulouse. Et à l'arrivée des éléments de fuselage allemands, on s'aperçoit que les câbles sont trop courts pour qu'il y ait connexion avec les éléments produits à Toulouse. Donc la grande usine Jean-Luc Lagardère vit une période de tension. Tension même qui, d'après témoignage oral, serait allée jusqu'à une bagarre entre des compagnons français et allemands, puisqu'on a dû faire venir un certain nombre de compagnons allemands pour retravailler ces éléments de fuselage et de câblage surtout. Donc c'est une période difficile avec des retards, donc le paiement d'indemnités aux compagnies, etc. Donc cette toute nouvelle usine que vous voyez hein, sur la partie aéroconstellation du site toulousain aujourd'hui connaît des débuts difficiles. Mais l'avion lui-même pose problème hein, parce que c'est un avion très quand même très coûteux. Hein. Cette usine Lagardère là, vous avez une vue cette fois-ci, hein, c'est cette usine-là qui est à côté du musée Aeroscopia que vous avez ici. Et là vous avez les ailes anciennes, etc. Cette usine toute neuve a coûté très cher et donc a épuisé même un peu les réserves financières, surtout que la production tarde à vraiment démarrer. Donc cet investissement gigantesque, c'est un grand pari et c'est un pari qui finalement se révèle presque impossible à tenir, hein, avec ce qu'on appelle des queues blanches d'ailleurs sur le site ensuite, hein, des avions non vendus assez vite, hein, parce que s'il y a quelques commandes au départ, donc une grosse commande d'Emirates, les commandes suivantes sont difficiles à
Même est difficile parce que les ailes, par exemple, du 380 ne rentrent pas dans le Beluga. Donc, on est obligé de faire un transport des ailes depuis l'Angleterre assez complexe, hein, pour les amener jusqu'à Toulouse et puis d'autres éléments aussi, donc par bateau, barge, convoi exceptionnel, etc. Donc, ça aussi, ce sont des surcoûts. Et l'avion, lui, se vend très mal. Cet avion du 21e siècle, en quelque sorte, hein, se vend très mal, malgré un premier vol réussi, hein, en 2005, une mise en service en 2007. Il n'y a que 251 exemplaires commandés fin 2019. Alors, il se vend très mal, parce qu'il est difficile à rentabiliser. Les compagnies, pour le rentabiliser, doivent le remplir. Hein, il consomme peu de carburant par passager, à condition d'être totalement rempli, occupé. Et ça, ce n'est pas évident. Sa maintenance s'avère lourde. Là aussi, l'enquête orale révèle des choses. Hein. C'est l'avantage d'être à Toulouse. Hein. Si on veut travailler sur l'histoire récente d'Airbus, on est presque obligé d'être à Toulouse. Et chaque jour, avec ses voisins, ses amis, sa famille, etc., essayer de soutirer quelques informations, de les vérifier, de les croiser, bien sûr. Et par exemple, des gens qui travaillent dans la maintenance d'Air France m'ont dit à plusieurs reprises que le 380 était quand même un avion qui revenait souvent et même il avait le surnom non diffusé d'avion boomerang, un avion qui revient régulièrement en maintenance. C'est le problème aussi d'un quadri-réacteur qui forcément a deux fois plus de réacteurs à maintenir. Et surtout, il y a un concurrent redoutable qui est le Boeing 787, le Dreamliner, qui lui arrive un peu après, mais qui triomphe à partir de 2011. Avec un grand nombre de commandes, puisque le Dreamliner, qui fait son vol d'essai, son premier vol, là on voit une photo, c'est un vol d'essai à Seattle, donc hein, il est produit dans la fameuse usine d'Everett au nord de Seattle, mais il a effectué son premier vol en 2009, hein, la mise en service intervient assez vite, et plus de 1500 exemplaires commandés, dont beaucoup, 600 dès 2008, 2 ans avant son premier vol. Donc c'est quand même là une réussite commerciale d'entrée. Parce que les compagnies aériennes pensent, à raison d'ailleurs, hein, qu'il sera plus facile à remplir. Et puis surtout, il va pouvoir faire du point à point. C'est-à-dire que les passagers et les compagnies donc ne souhaitent plus passer par des changer d'avion. C'est devenu très long à cause de la sécurité, à cause des attentats de 2001 par exemple. Et donc, on veut, dans la mesure du possible, aller directement vers la ville où on souhaite atterrir sans passer par un hub. Donc le 787 a beaucoup plus de succès au niveau des compagnies aériennes. Et donc le 380, même s'il est adoré des passagers parce qu'il est très stable vu sa masse, silencieux, beaucoup plus confortable, hein, eh bien le 787 se révèle à la hauteur parce que le 787 est un avion qui intègre encore plus de composites, plus de 50% de composites. C'est le premier avion au monde qui a plus de 50, civil qui a plus de 50% de composites. Donc, on peut gagner du poids. Donc, pour les compagnies, ça c'est très intéressant. On peut aussi voyager avec moins de problèmes de fatigue, puisque la pressurisation interne du 787 est bien meilleure. Hein. Donc, on arrive moins fatigué, il y a moins de bruit. Si vous avez pu voyager en 787 Dreamliner, vous avez pu le constater. C'est un avion extrêmement agréable. Et hier encore, hein, lors du séminaire, l'hôtesse nous parlait des témoignages de ses collègues, l'hôtesse Air France invitée, nous parlait des témoignages de ses collègues qui, effectivement, étaient très très satisfaites de travailler sur des 787 et aussi hein, sur les 350, on va y venir, parce que l'échec du 380, c'est quand même quelque chose de difficile à gérer pour Air. Et vu la situation catastrophique qui se profile, hein, puisque aujourd'hui on sait que la production est même arrêtée, hein, et donc l'usine ne produit que les derniers A380, c'est même pas aux compagnies prévues en tout cas. Et donc il faut trouver une solution pour rester vraiment dans la course pour les longs courriers. Et c'est l'une des grandes batailles qu'a menée lors de ces dernières années. Et avec ce que l'on peut qualifier, c'est la quatrième sous-partie de ce premier temps sur les longs courriers, de miracle du 350. Donc le 350, c'est un biréacteur. Hein. Au départ, c'était juste une évolution du 330.
le biréacteur long courrier. Mais pour faire face au révolutionnaire 787, on décide de considérablement le modifier dès 2006, ce 350, à la demande des compagnies d'ailleurs, et d'intégrer plus de 50% de matériaux composites, ces fameux matériaux hein, qui permettent de se passer des matériaux métalliques, même si les alliages d'aluminium ont fait énormément de progrès. Mais là, bah, Magali Brunet pourra en parler bien mieux que moi, elle est présente, donc c'est parfait pour le débat et les questions, elle pourra y répondre. Donc c'est un avion qui a moins de passagers, donc plus facile à remplir hein, même si une version tiret 1000 qui monte jusqu'à 480 passagers, à Toulouse, hein, comme le 380. Il effectue son premier vol en 2013 et il entre en service quand même assez vite, comme vous le constatez, en 2015. Il est actuellement commandé à près de 1000 exemplaires et se révèle compétitif face au 787. Alors pourquoi le miracle du 350? Parce qu'on a réussi à produire un avion concurrentiel en un temps record. Normalement, entre le premier coup de crayon, enfin de stylo sur l'écran d'ordinateur plutôt, aujourd'hui, hein, et la mise en service de l'avion, il s'écoule entre 8 et 10 ans. Là, on a fait beaucoup plus vite. Et on a réussi à le financer alors qu'il n'y avait plus un sou chez Airbus puisque tout était passé dans le programme 380. Donc on a fait une sorte de cofinancement avec des sous-traitants intéressés par ce projet qui sont présents dans, entre autres, les fameux matériaux composites. C'est le cas de Latécoère hein, qui est très très fort dans le domaine des composites, qui est devenu un sous-traitant de premier rang hein, puisque Latécoère ne fait plus d'avions. On l'a vu la dernière fois après l'échec des hydravions géants hexamoteurs dans les années 1950. Hein, Latécoère, après une phase très difficile où ils ont fait un peu de tout, est devenu finalement un sous-traitant, un partenaire de premier rang d'excellence en quelque sorte, entre autres dans les matériaux composites, mais pas seulement. Dans les portes aussi d'avions, dans le câblage, etc. Et c'est grâce à ces, en quelque sorte, cofinancements organisés en partie avec les sous-traitants, avec une aide bien sûr indirecte de l'État aussi, que l'on réussit à lancer ce programme du 350. Alors là aussi, on n'a pas accès aux archives, hein, bien sûr, hein, parce que ces archives sont classifiées. Je discute encore hier soir avec les gens de la communication d'Airbus. Bon, ils sont d'accord pour nous, enfin, pour nous ouvrir une partie de leurs archives, mais pas pour les derniers avions, évidemment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, et ces informations ont été recueillies donc oralement auprès de gens qui souhaitent. Donc, ils ne souhaitent pas qu'on cite leur nom. Ce qui s'est passé, c'est que les équipes d'Airbus ont réussi à récupérer indirectement de l'information. Et comme le 787 était un avion très, très novateur dans une multitude de domaines, pas seulement les matériaux, mais aussi les batteries, comme vous le savez, etc., la motorisation, il a rencontré un certain nombre de difficultés avec ces fameuses batteries révolutionnaires. Et même dans le choix des composites, hein, il y a eu des tâtonnements. Et en fait, Boeing est en pleine évolution ultra-capitaliste, on va dire, hein, à ce moment-là. Le siège social de Boeing est transféré de Seattle, la ville historique, la ville des ingénieurs de Boeing, à Chicago. C'est plutôt les financiers qui prennent le pas. Et donc, les financiers de chez Boeing ont plutôt une politique de rentabilité et veulent se centrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire assembler des avions, être un avionneur. Et donc se séparent de filiales internes, et comme par exemple celle qui avait développé les matériaux composites. Elle est privatisée sous le nom de Spirit, et donc elle peut travailler pour tous les clients qu'elle souhaite. Et cette entreprise, Spirit, eh bien, Airbus la sollicite pour les matériaux composites. Alors, Spirit a un devoir de réserve, bien sûr, par rapport à tout cela. Et donc, il ne faut pas divulguer les secrets de Boeing, mais vous pensez bien que pour gagner du temps, Spirit a en quelque sorte, pas orienté, mais par son silence, indiqué les chemins qu'il ne fallait pas prendre, qu'avait exploré Boeing pour son 787. Alors que Airbus, pour son 350, a pu aller plus vite sur certains aspects. Entre autres, des témoins m'ont raconté des réunions où ils envisageaient d'utiliser tel type de composite, etc. Tout ça. Et ils se tournaient, ils regardaient les gens de Spirit qui étaient là et bah, ils ne disaient rien. Et puis quand ils proposaient autre chose, bah, là, ils étaient plus actifs. Donc, en quelque sorte, on comprenait bien que c'était ça qu'il fallait choisir et pas l'impasse précédente dont Boeing avait essuyé les plâtres. Mais ça, c'est vrai pour tous les nouveaux produits assez révolutionnaires.
Donc, cet Airbus 350, ce miraculé, c'est un succès, puisque là, les commandes affluent. Hein, commandé donc à près de 1000 exemplaires, c'est un avion qui est équivalent pratiquement, enfin même un peu supérieur au Dreamliner, au 787. Hein. En plus, il a un fuselage un peu plus large. Et là, ultra récente, on pourra en reparler, le step 7 du 350 hein, qui est en train d'être mis au point avec justement les nouveaux matériaux qu'on utilise pour les cadres des sièges. Hein, on va pouvoir passer à une configuration où il y aura non pas trois sièges au centre, mais quatre sièges au centre. Donc c'est énorme comme progrès pour les compagnies. C'est un gain financier. On a joué aussi, donc on a pu économiser encore quelques millimètres sur chaque siège, même centimètres quand même. Sur les cloisons aussi, on a pu économiser parce que les composites sont des matériaux tellement résistants qu'on peut envisager des systèmes plus fins, etc. Et résultat, donc on gagne un siège. Donc le 350 est tout à fait compétitif. Il est très agréable aussi si vous volez sur 350, vous en rendrez compte. Hein, beaucoup plus silencieux. Et aussi, on vole à une altitude théorique interne, en quelque sorte, à l'avion moindre. Donc vous avez moins de maux de tête, etc. De risques aussi d'accidents cardiovasculaires. Et puis l'air est beaucoup plus filtré. Donc, est renouvelé. Donc, ce sont des avions qui sont extrêmement sains, hein, y compris en phase de Covid, avec un air considérablement renouvelé. C'est mieux que dans un train, à la limite. Voilà. Bon, après, bon, il peut y avoir aussi des problèmes d'air cabine. On pourra y revenir. C'est un des grands débats récents, puisqu'on prend cet air pour le 350, on le prend sur les réacteurs, comme tous les autres avions. Il n'y a qu'un avion, bon, mais moi je suis historien, je ne travaille pas pour Airbus, mais il n'y a qu'un avion où on prend l'air sur le fuselage, et donc il n'y a pas de problème de petite micro-fuite d'huile et de bon d'air cabine polluée, c'est le 787. Donc voilà. Il faut être équitable quand il y a quelque chose de mieux chez Boeing, il faut le dire aussi. Le miracle du 350, donc, permet à Airbus de revenir dans la bataille des longs courriers. Mais les longs courriers, ce n'est pas là que l'on gagne le plus d'argent. L'essentiel du chiffre d'affaires chez Boeing comme chez Airbus, elle s'établit grâce à la vente des moyens courriers, qui sont beaucoup plus nombreux, même s'ils sont un peu moins chers, forcément, mais les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Et ce domaine des moyens courriers, enfin courts moyens courriers, est dominé lui aussi par les États-Unis pendant longtemps. On peut dire pratiquement jusqu'aux années 1980. Et on a un bel exemple, hein, le premier avion rentable dans l'histoire de l'aéronautique civile. Hein. Faut pas oublier que l'aéropostale, et avant l'aéropostale, les lignes Latécoère, mais aussi la Caravelle en son temps, mais avant il y a eu l'Armagnac, le Languedoc, vous vous rappelez, on en a parlé. Tous ces avions-là n'ont pas été rentables en exploitation et en production, et donc sans les aides étatiques. Aurait disparu si elle avait dû compter que sur ses seuls bénéfices. Hein. L'aéropostale, malgré la légende de l'aéropostale, ça n'a jamais été rentable. D'ailleurs, ça disparaît assez vite au début des années 30 parce que la crise lui est fatale. Le seul bimoteur moyen courrier rentable des années 30, c'est le Douglas DC-3. Grâce au marché intérieur américain, grâce au niveau de vie aussi, la société de consommation américaine qui fait que les Américains ont les moyens, la classe moyenne américaine a les moyens de prendre l'avion, hein, entre les deux côtes hein, en particulier. Et donc, pendant longtemps, le DC-3 était l'avion civil le plus vendu au monde, hein, plus de 13 000 exemplaires. Et son successeur, comme avion donc à réaction, le Boeing 737, remporte aussi un immense succès. Il effectue son premier vol en 1967, hein, entre en service en 1968 et commandé à aujourd'hui à plus de 15 000 exemplaires. Ça va peut-être un petit peu baisser parce que dans ces 15 000 exemplaires, il y a des 737 MAX, hein, avec plus de 10 000 exemplaires livrés. Donc pendant pas mal de temps, jusqu'à 2-3 ans, on va dire, le 737 détenait le record de l'avion le plus vendu au monde, le plus commandé au monde de l'avion civil. Attention, il y a des avions militaires qui ont été produit à plus de 40 000 exemplaires. Mais si on reste dans le domaine civil, ce qui est notre sujet, c'est le 737 qui détenait le record encore il y a peu de temps. Alors, pour cette période des années 70-80, en face, on a la Caravelle, rappelez-vous,
Mais la Caravelle, c'est 279 exemplaires commandés. Et sa production s'arrête en 1973. Hein. Produite à Toulouse, hein, Saint-Martin-du-Touche, dans la fameuse usine avec l'arche en béton que vous pouvez voir quand vous atterrissez ou décollez, en face de l'aéroport. Donc on est très très loin des 13 000 exemplaires des C3 et encore plus loin des 15 000 exemplaires du 737. L'Airbus A300, c'est pas mal, c'est 561 exemplaires, mais là aussi, hein, c'est à peine 3-4%. Non, j'exagère, je suis méchant. Oui, si, c'est de cet ordre-là, 3-4% du 737, y compris dans sa version max. Donc l'Airbus A300, c'est loin d'être le succès mondial qui permet à Airbus de s'imposer dans le domaine des moyens courriers. Et là, il faut donc une nouvelle étape décisive. La nouvelle famille, développée dans les années 1980, la famille du 320, qui est un avion révolutionnaire à plusieurs niveaux, qui effectue son premier vol donc en 1987. Alors, tout d'abord, il dispose de calculateurs totalement numériques, hein, et ne nécessite que deux pilotes, donc au lieu de trois. Donc c'est une économie énorme pour les compagnies, en formation, en salaire, etc. Les commandes de vol sont électriques, il n'y a pas du tout de câble mécanique, donc il est plus léger, plus facile à entretenir. Il utilise les ordinateurs les plus récents, les plus fiables, donc une avionique très évoluée. Alors, on a aussi les fameux mini-manches, hein, comme sur les avions de chasse. Il est un peu plus large que le 737, donc là aussi les compagnies l'adorent pour cela. Et donc, toute une famille, avec le système de la communalité, toute une famille d'appareils est ensuite développée, plus ou moins long, du 318 au 321. Pour répondre parfaitement aux demandes précises des compagnies. Et les pilotes peuvent passer d'un avion à l'autre sans avoir à refaire une certification, etc. Le moteur est très performant, c'est le fameux CFM56, en tout cas l'un des moteurs, le premier. Il est franco-américain, là aussi c'est un atout. Les lobbies américains ne peuvent pas s'opposer à cet avion puisqu'il est motorisé par un moteur qui est à 50% américain, puisque c'est. CFM, c'est une coentreprise entre l'américain General Electric et le motoriste français Safran, qui est le successeur de la SNECMA, la Société nationale d'études et de conception des moteurs d'avion. Donc, ces multiples innovations, elles plaisent énormément aux compagnies. Et encore plus récemment, quand une version remotorisée du 320 est lancée au début des années 2010, hein, avec son premier vol en 2014, hein, le fameux A320 NEO, New Engine Option, qui économise encore 15% de carburant, alors que le premier 320 était vraiment carburant par rapport au 737. Et c'est ce fameux 320 Neo qui pousse Boeing à développer le plus rapidement possible le 737 MAX. C'est la preuve que là, on a une bataille à égalité entre deux géants qui sont devenus un oligopole à deux sur le marché mondial des avions civils. Considérable, parce qu'aujourd'hui, la famille du 320, cette famille d'appareils, elle a été commandée à près de 16 000 exemplaires, donc nouveau record mondial pour un avion civil. En plus, les perspectives, en tout cas jusqu'à cette année, étaient excellentes, puisque les graves problèmes du Boeing 737 MAX favorisaient encore plus le moyen courrier d'Airbus. Et jusqu'en 2020, la principale difficulté du 320, c'est d'en produire suffisamment pour répondre à la demande croissante. Des compagnies du monde entier. Et Airbus était en quelque sorte polarisé sur cette nécessité d'accélérer, d'augmenter les cadences et mettait une pression forte aussi sur ses sous-traitants pour qu'ils l'approvisionnent dans les délais, développant aussi des chaînes de montage sur plusieurs sites. Hein, on pourra y revenir déjà à partir de la carte parce que c'est. Ce succès accélère la transformation industrielle d'Airbus avec une mondialisation là, effective hein, de plus en plus centrée sur Toulouse, à tous les niveaux. On y revient dans le détail. Alors vous me direz, oui, mais il y a des sites d'assemblage un peu partout. Effectivement, en particulier pour le 320, il y a Toulouse, bien sûr, mais il y a aussi Hambourg en Allemagne. Ça fait partie des partages classiques entre la France et l'Allemagne pour la production au niveau des chaînes d'assemblage. Et puis, site d'assemblage au sud de Pékin, à Tianjin, en Chine. Là aussi, c'est le marché chinois qui est visé, hein, que les plus grosses commandes viennent de Chine et d'Asie en général.
et également donc le site américain à Mobile, en Alabama, pour les 319, des 320, des 321. Donc là, c'est le seul avion hein, qui est assemblé en dehors de Toulouse. Hein. Tous les autres sont assemblés uniquement à Toulouse. Donc, on a une mondialisation, mais une mondialisation centrée sur Toulouse, comme aussi le révèlent d'autres éléments, parce que l'aéronautique est une industrie particulière, même s'il y a eu une privatisation. Comme on va le voir, le capital d'Airbus reste un capital où les États disposent d'une minorité de blocage essentielle. Hein. L'État français et l'État allemand sont à égalité, à 11%, ce qui leur permet donc d'atteindre 22%. Et si on ajoute l'État espagnol, alors j'ai mis l'État allemand entre guillemets parce que ce sont plutôt les lenders hein, qui participent de manière plus précise. Et avec les 4% de l'État espagnol, on arrive à 25% à des votes bien plus importants et une minorité de blocage. C'est-à-dire aucune décision, genre vente à une autre entreprise, ne peut aboutir sans l'accord de ces trois États. Et les autres actionnaires, bon, on y reviendra, ce sont des fonds d'investissement américains, hein, donc entre autres, hein, environ 30%, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis des particuliers, comme vous et moi, qui donc n'ont pas des actions Airbus. Donc c'est le capital classique qui fait que l'État français a quand même son mot à dire. Et donc sur la localisation d'Airbus à Toulouse, mais aussi il y a privatisation parce qu'avant c'était un capital d'État presque complet. Hein. Rappelez-vous au départ, hein, on avait un projet à trois, France, Allemagne, Royaume-Uni, le Royaume-Uni s'écarte et finalement le projet est devenu franco-allemand, puis espagnol et même un peu britannique aujourd'hui indirectement. Donc ces États ont accepté une privatisation progressive du groupe Airbus, enfin EADS à l'époque, Airbus aujourd'hui. C'est compliqué, hein, les intitulés d'Airbus ont beaucoup évolué avec des subtilités complexes, mais les États sont quand même toujours très présents. Mais le fait que la privatisation soit en marche a joué quelque part en faveur de Toulouse qui pèse lourd. Et c'est ce que l'on va expliquer pour comprendre ce mécano. Donc Toulouse a concentré ce qui se faisait de mieux dans l'aéronautique française. Hein. Ce rappel historique, bon, c'est très complexe comme vous le voyez. On voit les étapes qui expliquent entre autres la privatisation avec le groupe. Matra Lagardère, hein, à un moment donné, donc à la fin du XXe siècle. Mais vous voyez le nombre d'entreprises privées très diverses hein, et aussi d'entreprises d'État, genre Arsenal, qui ont participé à l'origine à ce qui est devenu ensuite les sociétés nationales d'État. Hein, on en a parlé la dernière fois, SNCAM, SNKZ, SNKO, SNKZO, etc. C'est compliqué, qui se regroupent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dont les nationalisations sont confirmées après la Deuxième Guerre mondiale et qui donne Sud Aviation donc, en 1957 et ce qu'on a très vite appelé l'aérospatiale en 1970. Donc cela pèse lourd dans, en quelque sorte, le poids européen de Toulouse parce que cette concentration se fait au bénéfice de Toulouse, où il y a aussi un très gros sous-traitant, l'Atécoère, qui est toulousain totalement, et qui aujourd'hui pèse lourd. Hein. Par exemple, l'Atécoère, c'est pratiquement 5 000 employés, dont la moitié sont en France, et essentiellement à Toulouse, hein, avec une nouvelle usine d'ailleurs qui vient d'être lancée, la fameuse usine 4.0. Donc, ce pôle toulousain, il est autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il est sur plusieurs communes. Hein. Donc là, vous avez l'aéroport et vous avez le pôle historique qui se situe de ce côté-là, à Saint-Martin-du-Touche. On continue à produire, entre autres, des 320. Et on a carrément développé un autre ensemble, hein, ici, qu'on appelle Aéroconstellation. Et à cela s'ajoute aussi tout un espace décisionnel ici, sur lesquels on va revenir. Donc c'est énorme. Bon, il y a l'usine de Périolles aussi, mais qui est marginale et qui est en périphérie. Mais en fait, l'essentiel est ici, 700 hectares. Si on compte tous les services ATR aussi, hein, donc qui dépend indirectement quand même quelque part d'Airbus, on arrive à un total de 26 000 employés. Donc c'est le plus gros site aéronautique mondial aujourd'hui. Enfin, il y a six sous-sites dans cet ensemble.
avec plusieurs communes. Celle de Blagnac est peut-être la plus représentée, mais Saint-Martin-du-Touche, ça fait partie de Toulouse, hein. Et là, on a les limites en rouge que je vous ai mises, parce que c'est complexe aussi, de la commune de Blagnac, hein. Plus d'autres, hein, Colomiers, Cornebarieux, Beauzelle, etc., qui sont impliqués dans cet ensemble. Mais ce qui est assez révélateur, ce qui fait qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Toulouse est vraiment un pôle mondial comparable et peut-être même supérieur à celui de Seattle, c'est que le siège social opérationnel d'Airbus est désormais à Toulouse. Les sièges sociaux qui existaient auparavant, à Paris, à Munich, mais aussi un siège néerlandais pour des raisons juridiques et fiscales, mais les sièges sociaux opérationnels sont regroupés à Toulouse depuis 2013. C'est d'ailleurs le directeur allemand de l'époque, hein, Tom Enders, qui a réussi cette opération qui n'était pas évidente parce que les Allemands étaient contre, mais c'est un Allemand qui, pour des raisons de rationalité, a installé en 2013 le siège social opérationnel d'Airbus, qui est donc dans cette zone nouvelle, hein, que vous voyez, tous les centres de commandement là, sont matérialisés par des étoiles, et le siège général Airbus International est donc là. Alors c'est la carte est pas toute, le schéma est pas tout à fait orienté de la même façon. Hein, il faudrait le basculer un petit peu. Vous voyez, le nord est en fait là. Hein, donc bon, mais vous voyez où on est. Voilà le périphérique, l'aéroport. Voilà donc l'ensemble Saint-Martin-du-Touche avec les études, les recherches, la fameuse pyramide des ingénieurs en quelque sorte. Mais on a aussi des centres de recherche sur d'autres sites. Et là, on a donc l'ensemble Aéroconstellation et l'usine de Saint-Éloi, qui, oui, j'ai parlé de période, mais c'était plutôt Saint-Éloi que je voulais citer, qui est toujours dans le tissu urbain toulousain plutôt. Puis les centres de production, vous avez les différents centres de production, 320, 330, 350, 380, plus pour longtemps, mais d'après certaines informations très récentes, cette usine toute nouvelle, hein, l'usine Jean-Luc Lagardère, devrait servir à produire un avion de la famille du 320, le 321 Long Range, qui donc peut faire du long courrier et qui est très demandé par les compagnies, parce que ce serait un monocouloir long courrier, donc très rentable, très facile à rentabiliser en tout cas. Donc là aussi, les perspectives du pôle toulousain sont excellentes, jusqu'en 2020 en tout cas, puisque aujourd'hui, vous savez, on est en pleine crise et ces usines ne tournent qu'à peut-être même pas 50% de ce qu'elle pourrait produire normalement, voire moins pour certains avions. On pourra revenir sur le détail complexe de cet ensemble. Alors, comment en est-on? Je voulais, une dernière sous-partie de cette troisième partie, revenir sur la volonté étatique constante, hein, française, mais aussi allemande, quelque part espagnole, voire anglaise ou italienne, de disposer d'un pôle aéronautique et finalement de choisir pour des raisons alors de chauvinisme dans le cas français, mais aussi pour des raisons de rationalisation dans les autres cas, donc allemands que l'on vient d'évoquer. Et ça, c'est vrai, ça s'amorce en tout cas dans les années 1960, hein, parce que la France est un État centralisé, mais qui souffre d'une centralisation excessive, avec un poids de Paris qui finalement est très lourd et qui coûte cher, avec des effets néfaste de l'hypercentralisation, hein, au niveau de la circulation, etc. Donc, on a voulu développer des métropoles d'équilibre dans les années 60 et on a choisi en quelque sorte des thèmes pour chaque métropole d'équilibre. Et donc, à Toulouse, où il y avait déjà, comme vous le savez, les usines de Saint-Martin-du-Touche, on a décidé que Toulouse, ce serait le pôle de l'aéronautique et du spatial. D'ailleurs, à la fin des années 60, il y a des déménagements importants qui ont lieu dans le domaine de la recherche spatiale. Cette politique rejoint celle de planification économique mise en place dès 1946. On a des gouvernements qui sont assez à gauche. Hein. Vous savez, en 1944, 45, 46, les députés, aucun député ne veut siéger à gauche dans l'Assemblée, à droite, pardon, dans l'Assemblée. Tous veulent être à gauche. Donc, on a une économie qui est en partie dirigiste, hein, avec des ministres communistes d'ailleurs jusqu'en 1947, et où on veut reconstruire rapidement, structurer la production industrielle, etc., etc. Et l'État intervient beaucoup, ça porte ses fruits dans les années 70-80. Il intervient directement par des aides ou indirectement en s'appuyant sur des entreprises nationalisées comme celle de l'aéronautique. Et ceci reste jusqu'à nos jours malgré la privatisation partielle d'Airbus. Alors, le noyau initial est renforcé, les grands projets sont ici, et même si ces grands projets sont des échecs commerciaux retentissants comme le Concorde par exemple, eh bien l'État assume
jusqu'au succès commercial d'Airbus. Et il assume aussi les trous d'air d'Airbus, parce qu'entre le 300 et le 320, vous avez bien compris qu'il y a eu un trou d'air également, et que Airbus, enfin, ça s'appelait pas Airbus à l'époque, mais le groupe aérospatial a perdu de l'argent. Alors, cet appareil industriel est complété par des institutions qui forment d'excellents ingénieurs qui ont été transférés justement à Toulouse, qui étaient des écoles parisiennes, l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, Olivier Pontereau, bien sûr. Ils avaient Super-Aéro, hein, mais Super-Aéro à l'époque qui est transféré également de Paris à Toulouse. Le CNES aussi sont transférés à Toulouse, essentiellement à la fin des années 60. Hein. Puis les groupes partenaires géants qui sont constitués, c'est plus que des sous-traitants, là, c'est des partenaires, hein, véritablement, parce que leur chiffre d'affaires atteint la moitié du chiffre d'affaires d'Airbus, hein, donc ce sont des groupes géants. Le motoriste, Safran, et puis Thales, qui travaille beaucoup dans l'électronique, l'avionique, mais aussi dans le militaire, hein, s'installent, alors partiellement, hein, à Toulouse, hein, mais vous avez par exemple un grand centre Thales sur la route de la Bège, avec, vous savez, ce bâtiment avec ses lignes métalliques extérieures noires. Qui sont pas horizontales, donc c'est un bâtiment assez typique, donc c'est un bâtiment de Thalès. Donc Toulouse devient synonyme d'aéronautique et de spatial, et c'est le voyage obligé des présidents de la République. De Gaulle est venu, bien sûr, hein, mais si on parle de notre période, hein, donc de 69 à 74, là c'est Georges Pompidou, et Georges Pompidou, avec Henri Ziegler, là au premier plan, hein, vous avez Henri Ziegler, et là vous avez Georges Pompidou, donc est venu à Toulouse, à Saint-Martin-du-Touche, hein, pour visiter. Ça fait partie des voyages presque prioritaires dans le domaine de l'économie française pour les présidents de la République, et pour tous les ministres qui touchent à l'économie, évidemment. On peut faire Toulouse, vous voyez, Valéry Giscard d'Estaing, fan du Concorde. François Mitterrand également, parce que cette entreprise est une entreprise différente, hein, où il y a une cogestion privée, bien sûr, mais aussi État et aussi syndicat. La main-d'œuvre très qualifiée, hein, assez vite, à la fin des années 80, on a plus de techniciens et d'ingénieurs que d'ouvriers, qu'on appelle d'ailleurs compagnons. Donc, très syndiqués, à la pointe des combats sociaux, avec donc des avantages aussi assez importants. Si vous connaissez, les Toulousains qui connaissent des gens qui travaillent chez Airbus savent que c'est quand même une entreprise qui séduit beaucoup, hein, les ingénieurs, les techniciens et les compagnons, par son CE, etc. Bon, Jacques Chirac également, hein, qui a défendu le 380, Nicolas Sarkozy, ils y sont tous venus plusieurs fois, hein, y compris chez les gros sous-traitants, hein, comme Liebherr, hein, un sous-traitant important. Liebherr ne fait pas que des réfrigérateurs, hein, il travaille beaucoup dans l'aéronautique. Hein. Et puis récemment encore Emmanuel Macron avec donc la chancelière allemande. Donc c'est presque un déplacement obligé vers cette entreprise, pas comme les autres, hein, bien compris. Et les partenaires de premier plan sont également des entreprises pas comme les autres, parce que si on prend les deux et Thalès, hein, au niveau de leur constitution, vous voyez déjà, c'est très compliqué avec des entreprises privées, mais aussi des entreprises proches de l'État, hein, une multitude d'entreprises, hein, pour aboutir à Safran. Et puis, idem pour Thalès. Et vous voyez que l'État français est toujours très présent chez ces deux partenaires essentiels du groupe Airbus, hein, Safran pour les réacteurs en particulier. L'État français est à 12% du capital, hein, en 2020, début 2020. Mais les salariés du groupe sont également très présents. Et toujours les fonds d'investissement américains. On pourra revenir sur ces fonds d'investissement américains, parce que les fonds d'investissement, hein, sont essentiellement des fonds américains. Composition du capital de Thalès également, l'État français plus présent, parce que ça touche aux militaires, 25%, et puis Dassault Aviation, alors entreprise privée, là. Mais très lié par ses commandes quand même à l'État français ou à certains, et à certains États européens. Donc, vous voyez, à l'État français et Dassault Aviation, on arrive à 50%. Là aussi, une constitution complexe et une présence obligatoire pratiquement à Toulouse, même si ce n'était pas leur lieu initial de naissance, hein. Par exemple, Dassault, au départ, ce n'est pas vraiment Toulouse, le cœur de Dassault, c'est plutôt Paris et Bordeaux. Mais Dassault a été présent un certain temps quand même. À Toulouse, suite à des rachats de certaines sociétés par Dassault. Donc, Thalès est très présent aussi à Toulouse aujourd'hui.
On arrive au bilan, aux perspectives avec cette crise de 2020, parce que je pense que là, il y aura peut-être question, débat, on va voir. Bilan et perspectives. Où en est Toulouse aujourd'hui dans sa relation avec l'aéronautique hein, et le spatial, mais surtout l'aéronautique, puisque c'est notre thème, hein, c'est l'histoire de l'aviation de 1978 à 2020. Alors aujourd'hui, Toulouse est un peu synonyme d'Airbus, hein, en tout cas à l'étranger. Peut-être pas en France et pas chez les Toulousains, parce que vous savez que paradoxalement, j'ai déjà dit, mais je le redis, pendant longtemps, Toulouse n'a pas eu de musée de l'aviation. Il y a eu la Cité de l'espace, mais il a fallu attendre très longtemps pour avoir un musée de l'aéronautique, un musée de l'aviation, donc Aéroscopia, hein, qui est très récent comme musée, bon, qui a fait énormément d'entrées, hein, 100 000 et 200 000, donc c'est un beau succès. C'est un musée d'ailleurs privé, hein, donc géré par le groupe Manatour, proche d'Airbus, hein, tout proche du site Airbus. On peut coupler d'ailleurs les visites du musée avec une visite de l'usine du 380, mais qui est plus pour longtemps l'usine du 380, qui est tout proche. Hein. Mais pendant longtemps, Toulouse ne s'est pas affirmée comme la ville d'Airbus. Il y avait un refus presque toulousain qui m'a surpris moi quand je suis arrivé il y a 20 ans. Surtout que je m'intéressais à l'aéronautique et donc j'ai travaillé aussi sur Boeing et Seattle. Quand vous arrivez à Seattle, vous savez que vous êtes dans la ville de Boeing et de Bill Boeing. C'est affiché dès l'aéroport. Hein. À Toulouse, c'est moins évident, un peu plus aujourd'hui. Mais il faut savoir que quand on voyage à l'étranger, malheureusement, Toulouse est encore inconnue pratiquement. Hein. Mais si vous dites que c'est la ville d'Airbus comme Seattle est la ville de Boeing, là, on se situe tout de suite parce que tout le monde connaît Airbus. Hein. Donc, il y a une consubstantialité, alors risquée, bien sûr. Hein. J'ai mis ces deux photos de Seattle. C'est l'usine d'Everett, hein, qui est la plus grande usine du monde. Hein. C'est l'usine qui a été construite pour produire le 747 et qui aujourd'hui produit le Dreamliner, le 787. C'est la seule usine aéronautique qu'on peut visiter aux États-Unis. Sans prendre de photos, évidemment. Ça, c'est une photo un peu officielle. On peut prendre des photos quand on est en périphérie. J'ai réussi à prendre cette photo pour vous montrer qu'on assume complètement là-bas le fait que Boeing, c'est la ville. Enfin, la ville de Boeing, c'est Seattle, et que c'est un pèlerinage obligatoire presque pour tous les Américains, même si vous êtes contre la technologie récente. Hein, là, vous avez deux jeunes filles amish, on ne voit pas leur visage, donc j'ai le droit de diffuser la photo, qui sont en visite avec leurs parents à Everett, donc à Seattle, enfin au nord de Seattle, hein, entre Seattle et Vancouver. Donc, on n'est pas dans le même esprit à Toulouse, même si les choses sont en train de changer, mais en train de changer. Avec la crise du coronavirus, les Toulousains sont très inquiets. Et il y a deux grands scénarios que l'on retrouve beaucoup dans la presse hein, depuis quelques semaines, hein, local mais aussi national, voire mondial. Il y a un risque annoncé depuis longtemps de la monoactivité. Est-ce que Toulouse va finir comme Détroit, c'est-à-dire mourir, devenir une ville fantôme qui perd les deux tiers de ses habitants, qui n'a plus de commerce en centre-ville, etc. Ça, c'est le scénario catastrophe. Hein. Il existe aussi un scénario plus optimiste d'une reprise inévitable après les aides étatiques, après la reprise du marché, et pas de changement de comportement. Alors, on peut, par rapport à l'avion, hein, parce qu'il y a aussi des inquiétudes sur l'avenir de l'avion et du transport aérien. Alors, je donne quelques éléments et après, on pourra peut-être discuter ensemble de cette grande question de où on est aujourd'hui Toulouse. Alors, presse aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un article d'Emmanuel Botta. On a longuement discuté d'ailleurs par téléphone quand il a rédigé cet article. C'est un article très sérieux, très fouillé. Il est venu enquêter à Toulouse. Hein. Mais lui, il fait partie un peu de la vision pessimiste puisqu'il a intitulé son article Aéronautique, Toulouse ou le syndrome de Détroit. C'est-à-dire que pour lui, Toulouse peut, d'après certains témoins qu'il a interrogés, finir comme Détroit à cause de cette mono-industrie aéronautique essentiellement. C'est la première piste. Après, on peut avoir une vision plus optimiste, parce que moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas Détroit. Détroit, c'était la ville de l'automobile. Hein. Detroit, donc, comme vous le savez, la ville des trois grandes, General Motors, Chrysler, Ford. Une ville où il y avait des usines où on employait beaucoup d'ouvriers spécialisés au montage des automobiles. Donc une ville où finalement la recherche existait, mais n'était pas aussi développée dans des domaines nouveaux comme l'informatique ou les tout nouveaux matériaux, etc. Je dirais que Toulouse, pour moi, ressemble davantage à Seattle.
Parce que vous savez que Seattle, même si Boeing meurt, Seattle s'en remettra. Hein, parce que Seattle, c'est pas seulement la ville de Boeing, vous le savez bien, hein, c'est aussi la ville de Microsoft. Hein. Bill Gates est né à Seattle, a développé son entreprise à Seattle. Et puis, c'est aussi la ville d'Amazon. Hein. Jeff Bezos, alors, n'est pas né, lui, à Seattle, hein, mais a décidé de développer Amazon à Seattle parce que, en fait, il y avait des compétences informatiques, des ingénieurs informaticiens à Seattle liés au progrès de l'avionique chez Boeing, etc., et au développement d'écoles qui allaient dans ce sens-là. Il y avait un nombre considérable de cerveaux que Amazon, dont Amazon avait besoin pour se développer à l'échelle planétaire. Alors Toulouse, Toulouse pour le moment on ne sait pas. Il y a peut-être un Jeff Bezos parmi nous, ou un Bill Gates, ou un Steve Jobs, mais bon là c'est pas à Seattle. Donc, il y a un profil quand même qui ressemble à ce qui s'est passé à Seattle, puisque à Toulouse vous avez déjà, si on commence par le bas, c'est le troisième pôle universitaire français après Paris évidemment et Lyon. Troisième pôle à égalité avec Lille, on va dire, avec 150 000 étudiants, hein, trois universités, hein, qui, si elles avaient réussi à fusionner, seraient sûrement dans les 100, voire les 50 premières mondiales, si elles avaient vraiment fait une université de Toulouse, toutes disciplines confondues. Bon, là, ça, c'est le système français qui a voulu que, bon, on n'accepte pas cette fusion à certains niveaux. Voilà, mais le problème, c'est que les classements se font sur des universités au sens universel du terme, c'est-à-dire Et les universités qui sont spécialisées dans une discipline ont beaucoup de mal à récolter suffisamment de points pour être bien classées. Donc il y a trois universités, mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui forment un nombre considérable d'ingénieurs avec des compétences multiples. Hein. Isaïe Super-Héros, hein, qui touche à des domaines, hein, les drones entre autres, mais aussi l'informatique, les simulateurs de vol, etc. Si vous pouvez visiter Isaïe Super-Héros, c'est passionnant. Mais l'ENAC aussi, c'est passionnant. Il y a des journées portes ouvertes. Hein. On est intervenu avec Olivier Pontreau, avec Med Keshidi, avec Zachary Boubli, etc. Donc l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile aussi, c'est un réservoir de cerveau, tous azimuts hein, en quelque sorte. Et puis il y a les grands laboratoires. Donc parmi ces laboratoires, il y en a qui travaillent sur les matériaux, entre autres le CIRIMAT, qui est vraiment un des plus grands laboratoires français, européens et même mondiaux sur les matériaux. Ils travaillent d'ailleurs en liaison avec l'aéronautique, beaucoup, hein, à Toulouse. Donc le CIRIMAT, un laboratoire unité mixte, hein, donc CNRS UT3. Le CMS, lui aussi, laboratoire matériaux, laboratoire historique avec sa fameuse sphère que Magali Brunet nous fait visiter régulièrement, qui est quelque chose de fascinant. J'ai mis la sphère, hein, Magali, même si ce n'est pas là que vous êtes le plus souvent, mais c'est quand même quelque chose d'assez magique. Donc, aussi grand laboratoire qui avait été d'ailleurs inauguré par Charles de Gaulle, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très prestigieux. Le CNES, le Centre national des études spatiales, là aussi c'est un élément essentiel. Alors c'est plus qu'un laboratoire, c'est un centre. Donc, et avec bien sûr des passerelles entre la dimension spatiale où on étudie parfois des choses tout à fait nouvelles, des matériaux vraiment. Dans Airbus, on peut passer du CNES à Airbus, mais on peut passer aussi de la dimension Airbus Defence and Space. Hein, anciennement Astrium pour la partie space, pour le projet 350 par exemple, des gens d'Astrium, donc la partie Defense and Space d'Airbus aujourd'hui, on dirait, sont passés à Airbus Commercial Aircraft en quelque sorte, pour aider à la mise au point de cet avion assez révolutionnaire qu'est le 350 dans la lignée du Dreamliner 787. Donc il y a des passerelles, c'est important. Et puis vous avez un énorme laboratoire aussi, unité propre du CNRS également, le LAS, hein, le laboratoire des systèmes en quelque sorte, hein, où on produit des robots, mais pas seulement, on travaille aussi sur l'énergie, sur l'informatique en général, etc. etc. Donc c'est très très important là aussi pour les progrès de l'aéronautique. Et puis il y a des entreprises privées qui viennent s'installer sur l'ancien aéroport de Francazal. Donc on a le fameux tube d'essai du train Hyperloop. Donc ça fait partie des transports, mais c'est plus des avions là. Ce sont des trains des capsules dans le vide du tube qui pourraient atteindre des vitesses de l'ordre de 1 km/h juste en dessous de la vitesse du son, donc à la surface terrestre. Donc
Voilà pourquoi je pense que peut-être il faut comparer Toulouse à Seattle et pas Toulouse à Détroit. Bon, le débat est lancé. Alors après, on peut poser les questions, donner des réponses et ensuite débattre ensemble si vous le souhaitez. Alors, parmi les questions et les premiers éléments de réponse, donc, plusieurs compagnies aériennes ont fait faillite. Donc, est-ce que les compagnies aériennes, les avionneurs, pour les avions civils, il y en a surtout deux, mais il y en a aussi d'autres, hein. Il y a Comac, le chinois qui commence à émerger. Est-ce que les compagnies aériennes et leurs partenaires, hein, y compris les plus petits, vont disparaître? Premier élément de réponse, les compagnies nationales, en particulier nord-américaines, européennes, voire asiatiques, hein, il y a peu de chances quand même qu'elles disparaissent, même si elles auront des pertes énormes à l'issue de l'année 2020, mais même si elles sont privées totalement, comme American Airlines. Mais quand on s'appelle American Airlines, on a du mal à imaginer que l'État américain laisse disparaître une compagnie comme ça, ou se faire racheter par une compagnie étrangère, etc. Et puis, vous pouvez décliner toutes les compagnies qui ont encore des participations étatiques très fortes, comme Air France, Lufthansa, British Airways, sont des vitrines des États, Iberia, même Emirates, hein, qui est devenue une vitrine également. Et on peut aller même dans le détail, pour les pays que je connais relativement bien, les pays scandinaves par exemple. Il y a une compagnie qui correspond aux pays scandinaves depuis longtemps, qui s'appelle SAS, Scandinavian Airlines System, qui là aussi sera soutenue par les États scandinaves, qui sont riches, en particulier la Norvège. Hein. Vous savez, les Norvégiens sont peu nombreux et possèdent énormément de pétrole et de gaz, hein, donc ils ont mis de côté les revenus de ce pétrole et de ce gaz exportés pour l'essentiel. Et ils ont une sorte de fonds d'investissement gigantesque qui doit être à peu près à 1 000 milliards de dollars aujourd'hui. Parce qu'ils ont décidé de préparer l'après-pétrole et l'après-gaz pour garder un niveau de vie très élevé, qui est leur comportement, le niveau de vie le plus élevé au monde. Et en Norvège, il y a une compagnie privée très ambitieuse, hein, une compagnie low cost, mais avec des projets long courrier, qui s'appelle Norwegian. Et l'État norvégien a déjà annoncé qu'il ne laisserait pas tomber Norwegian, même si c'est une compagnie privée. Donc, vous voyez, donc les compagnies qui ont fait faillite jusque-là, c'est essentiellement des compagnies latino-américaines. Hein, vous avez dû en entendre parler. Bon, il y a Air Mauritius aussi récemment, parce que les États en difficulté eux-mêmes financières importantes n'ont pas pu les soutenir. Mais visiblement, ce ne sera pas le cas ni en Amérique du Nord, ni en Europe, ni en Chine, voire au Japon, en Inde, etc. Après les grands groupes, Airbus, Boeing, Comac, ce sont des vitrines d'État aussi, voire une vitrine de l'Europe. Hein, Airbus, on dit que c'est le seul grand succès industriel de l'Europe, hein, souvent. Et là aussi, les États ne vont pas abandonner ces groupes. Donc, d'ailleurs, les aides sont en train de se mettre en place. Alors, il y a des difficultés, effectivement. La production a été beaucoup réduite, hein, chez Airbus. Guillaume Faury l'a dit. On utilise le chômage partiel, etc. On a réduit considérablement la production. On fait le dos rond, en quelque sorte. Hein. On aide même les partenaires. Hein. Pas les plus grands, parce que Safran, Thalès sont aidés par les États eux-mêmes. Mais les sous-traitants de second, troisième rang, etc., beaucoup plus petits, spécialisés totalement dans l'aéronautique, eh bien, mais qui peuvent être décisifs parce qu'ils sont les seuls à produire une pièce. Et la certification d'une pièce pour un avion, c'est 2 ans. Donc les avionneurs et les États qui sont derrière eux savent bien que même des petits sous-traitants, quand ils occupent un positionnement stratégique, il ne faut surtout pas les laisser disparaître ou tomber entre des mains étrangères. Et puis, il y a des gros sous-traitants indépendants qui travaillent uniquement pour l'aéronautique, comme l'Ateco Air à Toulouse, hein, qui est un des gros éléments de l'aéronautique toulousaine, très bien placé dans plusieurs secteurs. Alors, l'Ateco Air, lui, est fragilisé parce qu'il n'a pas de réserve financière. Il est même sorti de son endettement en faisant entrer à son capital ses créanciers, des fonds de pension en particulier. Donc, ça allait un peu mieux pour l'Ateco Air. Mais là, avec la crise, évidemment, l'Ateco Air, il produit des éléments à la fois essentiellement pour Boeing et pour Airbus. L'Ateco Air est dans une situation délicate. L'Ateco Air, d'ailleurs, a commencé à se séparer d'une partie de ses employés, mais pas sur le site toulousain, parce qu'il estime que les employés les plus qualifiés sont sur les sites toulousains de l'Ateco Air, et que ceux-là, il faut les garder, il ne faut pas les laisser partir vers des concurrents, mais ça coûte cher. Par contre, les entreprises extérieures, hein, à Toulouse, que possède l'Ateco Air. Il y a eu des installations d'usines, Tunisie, Maroc, Mexique, Brésil, et rachat de l'Etoff, le fabricant
historique d'avions tchèques à Prague, Letov a été en quelque sorte victime lui aussi de la politique de l'OTKR qui doit faire des économies. Et donc il y a eu des licenciements chez Letov, pratiquement la moitié des employés, au Brésil aussi, où la production pour Embraer est à l'arrêt, etc. Donc vous voyez, c'est complexe, mais pour le moment, on attend. Et la bourse a une réaction assez bizarre. Les cours boursiers se sont écroulés. Vous avez beaucoup entendu parler de l'écroulement. Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de la remontée. Parce que là, depuis 15 jours, les cours remontent de manière assez spectaculaire, hein. Les actions Airbus et même Boeing remontent très vite, hein. Même l'action Latécoère, qui était tombée à 2 euros, je crois, ouais, est en train de remonter de manière assez spectaculaire. Alors ça, la bourse, vous savez, la bourse, c'est pas forcément dans le court terme, hein, ça peut être aussi des placements moyens, comme ça, beaucoup baissés, moyen long terme. Et beaucoup de Français sont entrés en bourse, paradoxal, et ont acheté entre autres de l'aéronautique. Donc il n'y a pas une perte de confiance du marché boursier, hein. Et l'action Airbus qui était passée sous les 50 euros à un moment donné, je crois qu'aujourd'hui, elle est remontée à 75, voire peut-être même 80 euros. C'est assez spectaculaire. Donc là aussi, à vous. Deuxième grande question, les passagers seront de moins en moins nombreux. Oui, si on écoute Greta, il ne faut plus prendre l'avion, effectivement, et bien d'autres messages. Le mouvement Stay on the Ground, hein, avant le Flixcam, la honte de prendre l'avion, le mouvement Stay on the Ground, il est né aux États-Unis, même il y a déjà quelque temps, dans certains milieux. Effectivement, c'est mieux pour la troposphère, la tropopause. C'est amorcé, enfin, surtout en Scandinavie, on a vu en Suède baisser de manière réelle. Le nombre de passagers sur les lignes court, moyen courrier en Suède et augmenter le nombre de passagers dans les trains, parce qu'il y a un très bon réseau ferré en Suède, donc c'est possible. C'est possible aussi dans toute la Scandinavie, parce que les mentalités sont proches, hein, Norvège, Suède, Danemark, Finlande sont la cible, même s'ils ne sont pas des Scandinaves à proprement parler, mais les comportements sont assez proches. Et on dit souvent que ce qui se passe en Scandinavie nous guette, d'où toutes les négociations aujourd'hui sur. La suppression de certaines lignes aériennes. Mais on l'a vu, hein, même les lignes à 2 h 30 de train, la ligne Air France, par exemple, Paris-Bordeaux, quand le ministre français a annoncé qu'il fallait la supprimer en échange des aides qui sont données, entre autres, à Air France, oui, il y a tout de suite eu une levée de bouclier des Bordelais, parce qu'il y a tout un complexe économique, industriel, de recherche autour de l'aéroport de Bordeaux. Et si on supprime la ligne aérienne, ben c'est très compliqué ensuite de la gare d'aller vers ce complexe de recherche qui est autour de l'aéroport. Hein. Donc venir en train pour aller ensuite reprendre une sorte de navette pour aller vers ce complexe, ça ne plaît pas trop. Et donc il y a une protestation, alors que c'était, semble-t-il, la ligne la plus facile à supprimer, puisqu'on peut aller en train de Paris à Bordeaux en 2 h 30. Alors, le train, grande question aussi, est plus sain? Oui, pour la planète, oui, en Scandinavie, en France, parce que les motrices sont électriques, mais il faut savoir que la majorité des trains dans le monde fonctionnent encore au charbon, et donc sont extrêmement polluants. Et puis, même, l'électricité, c'est très bien, mais la majorité de l'électricité de la planète est produite là aussi avec du gaz, du pétrole et du charbon, ce qui est très polluant, y compris en Allemagne, hein, où même si on veut faire une centrale thermique au charbon, on n'y arrive pas et on est même en train d'en rouvrir une parce qu'il faut répondre à la demande. Donc c'est très compliqué. Et alors c'est sûr que les centrales nucléaires ne polluent pas la planète, en tout cas à court terme, mais on sait bien qu'en cas d'attentat, par exemple, une centrale nucléaire victime d'un attentat, c'est beaucoup plus grave qu'une centrale thermique, ça c'est sûr. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire des déchets? Alors, le train est plus sain pour les passagers. Alors, ça, c'est de moins en moins évident, hein, compris par la circulation de l'air qu'on a déjà évoquée. Et puis, même s'il y a très peu d'accidents de train en Europe, il y en a beaucoup en Inde, où le réseau est très archaïque, les trains surchargés, etc. Et puis, en Afrique, il n'y a pas de réseau ferré. Hein. Suite à la colonisation, on a des voies aller vers l'intérieur hein, pour drainer les richesses, les amener à la côte et les exporter vers les métropoles, mais on ne peut pas circuler le long des côtes d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et même les rares voies ferrées qui existaient ont disparu. Hein. En Sierra Leone, il y avait des voies ferrées, il n'y en a plus, par exemple. Hein. En Chine et en Inde, le réseau ferré, là aussi, il y a des progrès à faire, donc surtout en Inde. Donc, les passagers sont de moins en moins nombreux, c'est pas sûr. Et en particulier en Asie. Alors après, ça peut être un phénomène culturel. On ne prend plus l'avion, on ne voyage plus au loin,
C'est une honte de prendre l'avion pour aller au soleil pendant l'hiver. Ça, c'est le message qui est diffusé en Scandinavie. Oui. Sauf que si on additionne toutes les populations scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, on peut ajouter les Islandais, mais ça ne passe pas beaucoup, on arrive péniblement à 28 millions de personnes. Ils sont prêts peut-être, majoritairement, et pas tous, hein. J'ai discuté avec des collègues norvégiens et suédois que je connais bien. Ils auront du mal à renoncer à leurs vacances au soleil pendant le très long hiver scandinave. Hein. Donc, ils sont prêts à faire le tri, à faire des économies, etc., pour l'écologie pendant toute l'année. Mais ça, ce plaisir de l'hiver au soleil, c'est plus difficile pour certaines familles, hein, même si leurs filles, souvent adolescentes comme Greta, les surveillent. Mais ça fait que 28 millions de personnes, au mieux, qui sont prêtes à renoncer à l'avion. La Chine et l'Inde, additionner les populations, c'est 2 milliards 800 millions. C'est 100 fois plus. Et d'ailleurs, l'essentiel des avions achetés aujourd'hui, commandés aujourd'hui, c'est par des compagnies asiatiques ou d'Asie-Pacifique même, en général. Et les classes moyennes qui émergent, alors en Chine, c'est plus qu'une émergence, hein, mais en Inde aussi, il y a une classe moyenne qui émerge, elles sont loin de ces préoccupations écologiques pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Et elles sont plutôt dans les mentalités des années 60-70 en France et dans les autres pays d'Europe et aux États-Unis, bien sûr, qui font que le voyage au loin pour visiter Paris, par exemple, ou pour aller passer des vacances dans des îles paradisiaques, etc. C'est un marqueur social, c'est un signe de réussite sociale, comme votre maison, votre piscine, votre voiture particulière, etc. C'est peut-être même le marqueur social le plus important du début du XXIe siècle. Donc là aussi, est-ce que les pratiques vont changer du tout au tout? C'est pas sûr, c'est pas sûr. En tout cas, pas à court et moyen terme. Alors est-ce que le dynamisme économique de Toulouse et de l'Occitanie est menacé? Que moi, je suis moins catastrophiste que ce que l'on peut lire et entendre en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a une. C'est pas tout à fait une monoactivité, hein. C'est aéronautique et spatiale. Et spatiale, c'est peut-être l'avenir, après tout. Hein. Parce que vous avez des entreprises qui produisent des satellites, hein, des grandes entreprises européennes. D'ailleurs, elles ont très bien résisté, hein. La crise boursière, par exemple, ça n'a pas touché un groupe comme Eutelsat, hein, qui produit des satellites. Qui a des commandes qui croulent sous les commandes encore aujourd'hui, parce que l'avenir, ben oui, l'avenir, c'est quand même l'Internet, etc., entre autres. Donc les 100 000 emplois en Occitanie, dont 2 tiers directs, les probables 75 000 emplois dans l'aire urbaine toulousaine, il va y avoir certainement quelques licenciements secs dans les mois qui viennent, des faillites, probablement aussi de quelques entreprises. Mais l'essentiel, l'avionneur Airbus, les sous-traitants 1 peuvent résister, hein, surtout quand ils ont d'autres activités. Hein, Liebherr, pas que pour l'aéronautique. Hein, la TQR qui est le plus menacée, finalement, a l'air de s'en sortir. Bon, je sais qu'ils croisent les doigts, mais c'est une situation donc qu'il faut analyser de très près et il ne faut pas tout de suite caricaturer en annonçant le pire parce que ça peut amener beaucoup de lecteurs dans certains cas. Donc il faut être plus prudent et plus réfléchi que cela. Donc je vous invite à discuter de tout ça et à débattre si vous souhaitez, ou à poser des questions. Olivier, je te redonne la main. Olivier, tu m'entends? Alors, je ne sais pas si vous avez un problème de connexion. Ceux qui étaient là au début sont-ils toujours là? Marie, tu es là? Oui, je suis là. Oui. Et Olivier, tu es là? On a peut-être perdu Olivier. Bon, si vous avez des questions, soit par le chat, oui, Marine, Magali, tout ça me disent qu'ils sont là, Marion aussi. Merci pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer vos micros, je pense que vous pouvez le faire. J'ai l'impression qu'on a perdu Olivier. Jean-Marc,
Mais moi, je vous ai envoyé par le chat un article de. J'ai vu passer. Je sais pas, ça fait écho à ce que tu disais sur ton dernier slide sur les gens qui se posent des questions sur l'avenir de l'aéronautique. Donc, les ingénieurs, étudiants ingénieurs aéronautiques ont fait une tribune récemment. Oui, dans le monde, j'ai vu ça, effectivement, j'ai vu. Surprenant d'ailleurs, hein, c'est la preuve que les ingénieurs en aéronautique sont très ouverts, parce que vu leur formation, c'était étonnant cette tribune, hein. Et en plus, ils font le lien avec la Técopole, qui est toulousain aussi. C'est un atelier d'écologie politique. Oui. On les a fait venir au laboratoire et c'est très intéressant parce qu'ils sont, ils vulgarisent un peu les messages du GIEC et finalement, ça fait vraiment réfléchir à tous les niveaux et donc même dans le secteur aéronautique. Donc, c'est bon à Oui, savoir. j'avais discuté un petit peu avec eux, oui. Alors, l'avion vert, l'avion électrique, entre autres, ce n'est pas pour demain, hein, ça c'est sûr, hein. Bon, après, les avions font de plus en plus de progrès. Et à court terme, il y a des solutions simples. On avait un collègue qui avait mis une vidéo, là, mais je crois qu'elle était retirée, sur la fin de l'avion, point d'interrogation. Et il évoquait, entre autres, des solutions simples pour éviter, parce que la moitié des effets néfastes dus aux avions ne proviennent pas directement des réacteurs, mais de la traînée que font certains avions et la formation de cirrus, un peu artificielle, et qui contribue donc à créer un dôme de nuages et au réchauffement planétaire. Et ces cirrus, ça dépend de l'altitude à laquelle l'avion vole. Et si on modifie ne serait-ce que l'altitude de ces avions qui déclenchent des phénomènes de cirrus, on élimine la moitié des effets de réchauffement dû à l'aviation. Donc il y a quand même des solutions qui existent. Alors après, évidemment, c'est au contrôleur aérien de gérer tout ça, mais c'est compliqué. Oui. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Magali, sur ce qu'avaient dit les participants, ce dont vous avez débattu. Non, non, ça m'a fait juste penser, donc je vais vous partager pour ceux qui n'avaient pas vu l'article. Oui, merci, oui, j'ai vu le lien, je l'ai bien reçu. Dans le court terme aussi, en discutant avec des ressources humaines d'Airbus, ils ont chez Airbus une chance, entre guillemets, c'est que beaucoup d'Airbusiens sont relativement âgés. 32% du personnel d'Airbus a entre 50 et 69 ans. Donc un tiers en gros. Ça veut dire qu'on peut passer la crise peut-être sans trop de licenciements secs, en tout simplement en accélérant les départs en retraite avec des pré-retraites aidées, etc. Donc là aussi, la pyramide des âges est en faveur d'Airbus pour traverser cette période difficile. Donc, également cet élément-là. Ensuite, bien sûr. Il y a aussi la rationalisation du mécano, hein, parce que le système du mécano Airbus n'est pas toujours très rationnel. Si je reprends la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, on l'a vu pour les ailes, entre autres. Un des ingénieurs d'Airbus me disait que les ailes étaient produites en Angleterre, bien sûr, mais équipées à Brême, dans le nord de l'Allemagne. Et ensuite amené à Toulouse, ce qui était un peu une aberration, puisque ça fait une étape de plus, il y a des transports en plus. Alors ça avait été supprimé pour le 380 parce que les ailes du 380 sont gigantesques, mais on est revenu à ce système-là via Brême pour le 350. Et ce serait finalement beaucoup plus simple de transférer les ailes d'Angleterre vers Toulouse directement pour les équiper à Toulouse ou les équiper en Angleterre au départ, c'est tout à fait possible. Donc là, pour des raisons, on va dire, de politique correct, on faisait passer les ailes par Brême parce que ça représente des emplois, ça représente un savoir-faire et c'était intéressant pour l'Allemagne. Mais le mécano industriel très politique d'Airbus, groupe européen, peut être amélioré là aussi, hein, dans une perspective écologique.